morceau qui va suivre et qui a pour titre Gonna Fly Now. Ben oui, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que c'était le générique d'un film sur Rocky, un soi-disant boxer. Et on a d'autres, hein. J'ai tout de suite compris que c'était pas le générique de 30 millions d'amis, hein. Un boxer, pourquoi pas un espagnol breton pendant que vous y êtes? C'est toute la carabistouille, ça, hein. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, moi, j'ai cherché. En fait, c'est l'histoire d'une mouche. Suffisait de lire et de comprendre le titre. C'est tout, hein. Gonna fly now. Fly, ça veut dire mouche. And now, ça veut dire maintenant. Et Gonna, c'est son nom. Et puis c'est tout. Gonna fly now. Gonna, mouche maintenant. Maintenant, Gonna, t'es une mouche maintenant. Un insecte à droite. Ah, ça fait moins rire, hein. Il y en a de la tête gauche, hein. À moins qu'elle ait un beau rhume et qu'elle a un nez qui coule, Gonna. Pas la mouche, bien sûr. Gonna, mouche maintenant. Mouche pas maintenant. Oh non. Il est vraiment pas facile à présenter, ce morceau, hein. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils s'y sont mis à trois pour écrire, Conti, Connors et Robbins, que l'arrangement est signé John Guinness Mortimer, et que depuis, ils ont tous pris les grosses têtes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande de faire une ovation à Jean Festopeau, directeur de l'harmonie municipale de Bonneville. Merci. Au-dessus de Bonneville, sur le coteau nord, au beau milieu des vignes, un petit village vit paisiblement. Justement,
Il se trouve que c'est là que la famille Clairaut habite depuis de très nombreuses années. Lui est vigneron, il a hérité des vignes de son père, c'est un travailleur, un vrai. Il cultive aussi son jardin et les bricoleurs, le père Clairaut. Ah, oh, c'est même un secret bricoleur, hein. Ah, quand il plante un clou, il le plante, hein. Moi, personnellement, j'aimerais pas être un clou chez le père Clairaut, hein. C'est un vrai marteau, enfin bref. Quant à elle, ça serait plutôt, disons, la commère du village. Remarquez, elle ne travaille pas à la mère Clairaut. Donc, elle a ça à faire, ça lui coûte un peu. Et comme ils n'ont pas d'enfants. Non, ils n'ont pas d'enfants, les Clairaut. Le médecin leur a dit comment déjà que leur gène n'était pas compatible, je crois. De toute façon, leur histoire d'hormones ne nous regarde pas. Hein. Mais ce qui nous regarde, c'est qu'un beau matin, le père Clairaut se leva de son lit et décida, sur une tête, d'emmener la Bernadette, sa femme, en voyage. Un beau voyage à l'étranger. Et comme ils sont tous les deux catholiques, à part la Bernadette, ils partirent à Jérusalem, en Israël. Mais arrivés là-bas, le voyage les avait tellement fatigués qu'ils décidèrent de passer leur première et unique semaine de vacances à l'hôtel Shalom Géant, je crois. Vous vous en doutez, le père Clairaut était furieux. Ah, il ne reprendra pas, hein. C'est un voyage à la tête de poule, ça. C'était vraiment un homme raffiné, le père Clairaut, hein. Et la Bernadette. Calme-toi un peu, mon grand Labinet. Faut dire que la mère Clairaut, elle a pas la lumière à tous les étages, hein. C'est ce que je veux dire. Enfin, bref. Comme la récolte avait été bonne l'année dernière, ils réservèrent carrément de suite, tant qu'à faire. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas fait là, les malheureux. La suite, je ne vous raconte pas l'état. Pas de serviette dans la salle de bain, pas d'eau chaude dans la douche, pas de train de rideau, d'ailleurs, il n'y avait même pas pris d'eau. Pas de pied à la table du salon, c'était pire que chez la veuve Pichon, la voisine, c'est pour dire, hein. Alors le père Clairaut, encore plus furibard, ah, on ne m'y reprendra pas, hein. Tout de suite à la crotte de père un papin, ça. Ah, c'est vraiment un horrible, hein. Et la Bernadette, calme-toi, mon gros cochonnet. Heureusement qu'elle ne parlait pas, elle, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était vraiment folklorique. Une semaine plus tard, ils étaient tout heureux de revenir dans leur village, à Aïs. Le père Clairaut retrouva sa prince charmante pour ses vignes, et ils n'eurent toujours pas d'enfants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la suite folklorique juive que nous allons vous interpréter à présent est en trois mouvements. La musique est signée Roland Carmen. Thank you.
de l'harmonie et quel membre. C'est drôle, je regarde autour de moi et je vois tous les musiciens qui baissent la tête. Oh mon pitié, pas moi, pas moi. Pourtant, j'ai jamais été méchant. Hein, Sébastien? T'as pas peur, toi? Et pourtant, regardez bien ce jeune homme. Sébastien Martin Cochet revient de loin, de très loin. Car avant de jouer du trombone ténor complet à coulisses en ut, ce jeune insouciant s'était essayé à l'accordéon, pourtant avec l'un des plus grands professeurs de toute la galaxie, Thierry Bouclier, qui n'est pas de ma famille, hein, je tiens à préciser, hein, que tout soit clair. Et il faut bien le voir, au lieu de travailler la java bleue, Sébastien était plutôt enclin à faire la java. Alors un jour, il s'est dit, java, essayez le trombone, car java, bien entendu. Et il était grand temps qu'il arrête l'accordéon. Hein. Surtout qu'il n'a jamais eu autant de copines que depuis qu'il joue que du trombone. C'est vrai? Ah, et puis, il faut reconnaître hein, qu'elles sont toutes belles. Hein. Et quand il en aura choisi une, sur son faire-part de mariage, il pourra écrire, belle, belle et Sébastien. Ça serait bien. Par contre, nous n'aurions aucun rapport avec le célèbre feuilleton qui racontait l'histoire d'amour entre une chienne et un jeune paysan. Attention! Alors peut-être que les balles musettes ou les thés dansants ont perdu un grand musicien, mais ce qui est certain, c'est que notre harmonie y a gagné grandement. D'abord sur le plan musical, car enfin, notre harmonie compte 3 trombones permanents, et après 3 petites années seulement de cours, je peux vous assurer que Sébastien joue déjà dans la cour d'écran. Et il n'a pas dit son dernier mot, ou plutôt, il n'a pas encore donné son dernier souffle. Non, pas encore. Sur le plan sociétaire, Sébastien est un modèle à suivre. Membre du comité depuis cette année, il est toujours présent aux répétitions, il est toujours présent pour distribuer tracts et affiches de concerts chez les commerçantes, il est toujours présent pour transporter le matériel de percussion. Et en plus, l'été dernier, il a repeint pratiquement toutes les salles de cours de l'école de musique. Bon, d'accord, il l'a fait avec un copain et il paraît que c'est l'autre qui a tout fait le boulot. Mais quand même, hein. Et enfin, sur le plan humain, il faut savoir que Sébastien est quelqu'un d'extrêmement gentil et serviable. Par contre, il est très capricieux. Oh là là. Quand il a décidé quelque chose, c'était... Tenez, vous savez pas ce qu'il nous a fait dernièrement? Comme il adore Johnny, Hallyday, eh bien, il a exigé qu'on en joue à l'harmonie, hein. Sinon, il venait en répétition avec son accordéon. Hallyday, hein. Alors forcément, on a tous eu très peur. Hein. Et Jean-Christophe Bon, notre directeur, eh bien, il a été obligé de nous faire travailler un morceau de Johnny. Attention, là, ça rigolait plus. Hein. L'arrangement de Jérôme Nollet, que nous allons donc vous interpréter à présent, est composé de 6 succès de Johnny Hallyday. Que le bon temps du rock'n'roll, que quelque chose de délicieux, que je t'aime, que noir c'est noir, que Laura et que le pénitencier. Mesdames, messieurs du premier rang, bon courage. Thank you.
affronter une note. Vous savez qu'il fait très chaud et un instrument, que ce soit une flûte, un hautbois, un trombone, une trompette, ça se désaccorde avec la chaleur. Donc il faut de temps en temps veiller au grain de manière à ce que l'instrument soit toujours en harmonie avec le reste de l'harmonie. Parce que c'est un complètement comme les Entre nous, qui n'a jamais entendu parler des Misérables, le célèbre roman de Victor Hugo ? Personne, bien sûr. Par contre, je tiens à dire, et je n'ai pas peur de le dire, mais je suis bouleversé par le manque de reconnaissance et la méchanceté des gens envers la sympathique famille Thénardier. Enfin, soyons honnêtes tout de même. Qui c'est qui est allé la chercher, la Cosette, à l'assistance publique, hein ? C'est bien le Thénardier, non ? Ils ont beaucoup de mérite, ces gens-là, surtout qu'ils avaient déjà une fille. Ils n'étaient même pas obligés d'aller la chercher, la petite Cosette. En plus, une orpheline. Bon, il n'y a plus de cadeau. La gamine, elle avait vraiment pris le quai. Bonjour, on vient sa dame, hein. Et si c'était que ça encore ? Si c'était que ça encore, mais en plus, c'était une sacrée feignante, hein. Elle ne voulait rien faire. Mais peut-être elle faisait mal. Il fallait avoir un peu l'état de la moquette chez les Thénardier. Ben, ça n'a même pas servi d'un aspirateur, c'est pour dire, hein. Oh le père Thénardier, qu'est-ce qu'il a bien fait de la taper ? C'était le seul moyen de la faire obéir. Elle pensait qu'elle causait. C'est pour ça qu'elle s'appelait Cosette d'ailleurs. Elles s'en sont fait avec elle. Oh là, les pauvres Thénardier, ils méritent de penser à vraiment des gens si honnêtes. Et vous savez ce qu'on reçoit à Fontaine ? Et ça reste entre nous, hein. Mais paraîtrait que la petite Cosette, qui était soi-disant si bien, eh bien, elle avait plus souvent la bouteille de la bouche que pas d'heure. C'est Madame Léon qui avait les dessus. Ah, c'est pas un bouche à coin, hein. Quant à ce Jean Valjean, ce gros bagnard évadé, c'était facile de venir la chercher, la gamine, de l'embourgeoisie, puis après de lui dire, vous avez vu, hein, comme elle est heureuse maintenant, comme c'est lui bien maintenant. C'était facile, mais il faut tout de même oublier que c'est grâce à qui tout ça, hein, à Thénardier. C'est quand même eux qui l'ont élevé, l'orpheline. Une orpheline qui a fait mourir sa mère de chagrin, vous vous rendez compte? Moi, j'ai pas peur de dire ça. Moi, je dis tout ce que les gens disent, moi. En plus, les Thénardier, c'était pas la famille Rothschild, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'était des gens simples, pas pourris par l'argent. En 1866, Victor Hugo, on avait même fait le titre de son roman, Les Misérables. La musique est signée Claude Michel Schoenberg et l'arrangement est de Marcel Peters. Merci. Thank you.
Alors, je vais commencer par Johnny Hallyday. Je suis désolé, j'ai fait un petit retour en arrière. Donc, vous avez pu entendre dans Johnny Hallyday, donc, à la trompette solo, Jérôme Martin Cochet. Bravo. Bravo. Et au saxophone ténor, un autre Martin Cochet, Christian Martin Cochet. Que Christian et Jérôme me pardonnent, mais j'ai complètement oublié. Alors, dans Les Misérables, il y avait aussi deux magnifiques solistes, à commencer par Isabelle Beau, au hautbois. C'est un euphonium, donc un euphoniumiste, Sylvain Minot. Sous-marin jaune, vous pensez à quoi? Moi, c'est marrant, mais ça me fait penser au commandant Cousteau. Vous savez, le marin avait toujours un bonnet rouge sur la tête. Ah, moi j'aimais bien le commandant Couteau, car il parlait bien anglais. On appelle ça comment déjà? Un anglican, je crois, non? Ou plutôt un anglophile. Non, un anglophobe. Ou un anglophage. Enfin, peu importe. En tous les cas, il aimait bien les poissons. Ah, surtout la truite saumonée, avec un petit zeste de citron. Et sur son bateau, l'eucalyptus, quel cirque au moment de la vaisselle. Ce bien simple, tout l'équipage se battait pour faire la plonge. Oh, mais vous savez, pendant les dernières années de sa vie, il plongeait plus tellement le commandant Couteau. Ou alors, quand il plongeait, c'était toujours à l'intérieur de son petit sous-marin jaune. Et avant de plonger, il disait toujours « I love the sea. I love my yellow submarine. » Et à chaque fois, tout l'équipage éclatait de rire. Alors, c'était vraiment un marin marrant, hein. Et ce qu'il adorait par-dessus tout, quand il était dans son petit sous-marin jaune, c'était écouter de la musique. Car il avait entendu dire que la musique adoucissait les mers. D'ailleurs, son tube préféré, c'était Yellow Submarine, sous-marin jaune en français. Une chanson des Beatles, boys band anglais, je crois. Alors, donc, par conséquent, justement, en hommage au commandant Courteau, nous allons vous interpréter ce fameux Yellow Submarine, qui n'est autre qu'une œuvre de John Lennon et Paul McCartney. Le tout est arrangé, tenez-vous bien, par Régio Corocu. On comprendrait après ça pour qu'il y ait des gens qui font tout pour changer de nom de famille. Merci.
une marche allemande. À l'allemande, ou comme le feraient les Allemands, si vous préférez, est quelque chose qui n'est vraiment pas facile pour nous, musiciens français, tant nous sommes des êtres humains raffinés et élégants, sachant à tout moment de la vie conjuguer classe avec finesse et amour. Si vous avez déjà écouté une fanfare ou une harmonie allemande, militaire ou non, vous avez certainement remarqué que ces derniers jouent avec beaucoup d'air, ce qui donne forcément une sonorité générale plus épaisse, plus grasse et plus lourde. D'ailleurs, leurs nombreux bons gros tubas ne font qu'accentuer cette constatation. Alors, comment jouer à l'allemand, surtout quand on a trois tubistes, que dis-je, un tubiste et deux euphonionistes, dont une fille en plus, qui pèse à eux trois le poids d'un seul tubiste allemand. Le poids n'a rien à voir avec la capacité pulmonaire, direz-vous. Oui, c'est vrai, mais tout de même, il y a des limites. Avec ces trois tubistes, c'est plus une harmonie allemande. C'est les majorettes du chapelet. Je plaisante et j'exagère. Non, en fait, je veux peut-être vous étonner, mais malgré toute la meilleure volonté du monde, aucune harmonie française ne pourra jouer à l'allemande. Question de culture, de tradition, de morphologie peut-être, hein? Ah, c'est comme ça. En tous les cas, ça n'a pas découragé notre directeur Jean-Christophe Beau qui a souhaité terminer cette première partie de concert avec une magnifique marche allemande de Herzer, arrangée par Richard Hubert, Hoc Actexburg. Tout de suite après, nous vous proposerons un entracte pendant lequel vous pourrez visiter notre buvette qui est exposée comme d'habitude dans la salle juste en dessous de celle-ci. Vous pourrez vous promener à volonté derrière le bar, faire couler les robinets, essuyer quelques verres ou sortir les bouteilles d'Aïs de leur carton, cette visite étant bien entendu complètement gratuite. Seules les consommations seront arrivées sur place. Merci. Ensuite, nous aurons l'immense plaisir de laisser la place à la redoutable musique municipale de Bernex, une harmonie du Chablais réputée pour son excellent niveau musical et qui nous avait gentiment reçus chez elle il y a quelque temps déjà. Sachez enfin que la musique de Bernex est dirigée d'une poigne de fer par Marielle Martini, que nous connaissons bien puisqu'elle a été pendant de nombreuses années première clarinette à l'harmonie municipale de Bonneville. Mais tout de suite, Hoc Actexburg, un Mutterwitz Garden pour harmonie des fanfares orchestres.
comme vous pouvez le constater, ce bis n'est pas complètement improvisé. On vous a même préparé une surprise. Mais en attendant que cette surprise se prépare, on m'a demandé de meubler un peu en vous parlant de choses et d'autres. D'ailleurs, je demande à la musique de Bernex et à sa directrice Marielle Martini de bien vouloir m'excuser, mais j'en ai bien pour une bonne dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes. Ami Berneland, merci de votre patience. Je vais donc profiter du temps supplémentaire qui m'est accordé pour vous annoncer les prochains grands rendez-vous de l'harmonie municipale de Bonneville. À commencer par demain matin à 11h, un défilé pour le Congrès national des déportés. Le samedi 8 mai à 9h30, nous jouerons à Arlis et à 19h le même jour, un concert sera donné à la traditionnelle kermesse d'Hautpouche. Le samedi 29 mai à 15h, nous défilerons à la Roche-sur-Foron pour le congrès des jeunes sapeurs-pompiers, alors que les samedis 5 et dimanche 6 juin, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir la Stadtmusikverein de Schaffhausen, l'harmonie allemande avec qui nous sommes jumelés. Deux semaines plus tard, le samedi 19 juin, en début de soirée, un concert sera donné à Bonneville pour la fête de la musique. Et bien entendu, le dimanche 28 juin, 38 formations, dont la nôtre, se donneront rendez-vous à Passy pour le 163e Festival de musique du Fossile. D'ailleurs, pour info, l'élection de la duchesse a lieu en ce moment à Passy. Pas de chance. Enfin, d'après Claude Tabu, ça vaut pas le coup d'y aller. Hein. Parce qu'il a épluché un peu tout le Dauphiné cette semaine, parce qu'elle apparaissait dans le Dauphiné, les filles qui se présentaient. Claude va dire non, vous pouvez y aller. Il est à noter que le Festival des musiques du Genevois, lui, aura lieu le 6 juin à Anne-Sylvieux, alors que celui du Chablais se déroulera le 20 juin à Saint-Paul-en-Chablais. Je n'oublie pas, bien sûr, les traditionnels défilés des 13 et 14 juillet pour la fête nationale, auxquels notre harmonie a toujours activement participé. Sachez également que le fameux tirage au sort de notre tombola aura bien lieu le vendredi 30 avril, ce qui veut dire que d'ici là, vous pouvez encore jouer. Il est à noter que cette soirée ne sera pas ouverte au public, mais je vous rassure, les gagnants et gagnantes seront contactés directement. Maintenant, quelques infos sur la vie de notre harmonie. Deux musiciens vont prochainement se marier pour le meilleur et pour le pire. Le premier, Patrick Rouge, qui va, au mois de juin, jurer fidélité à sa belle Caroline. Patrick Rouge. Félicitations, lève-toi. Pardon, je suis désolé. Alors qu'au mois d'août, François Briffaut enfilera une alliance au doigt, mais ne sait pas encore lequel, de sa douce Mélanie. Eric, qui
va fêter ses 10 années de direction à l'OHC en enregistrant prochainement avec son orchestre d'harmonie un CD. À ce propos, je vous rappelle les deux prochains grands concerts de l'orchestre d'harmonie de Clouse qui auront lieu les vendredis soir 28 et samedi soir 29 mai aux Allobroges à Clouse, bien sûr. Notons que Patrick Rouge n'assistera pas au concert du vendredi 28 mai puisque c'est la date qu'il a choisie pour enterrer sa vie de garçon avec sa troupe d'ivrogne. Quant à son voyage de noces, il tombe en plein pendant le festival des musiques du Faucigny. C'est pourquoi je lance, nous lançons un appel à Alexandre Dutruel, très bon trompettiste de la musique de Verdex. Ah oui. Donc ce fameux. Ah, j'ai le franco, hein. On m'a dit que tu es le temps, je ne parle pas. Pour ce fameux dimanche 28 juin. Sous réserve, bien sûr, qu'il accepte son absence, ne mette pas la musique de Verdex dans une position délicate. D'avance, merci Alexandre. Félicitations à notre président Gérald Cachat, qui samedi dernier à répétition a fait une apparition remarquée avec son saxophone et ma foi, il s'en est plutôt bien sorti. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler la composition du comité de l'harmonie municipale de la ville, président Gérald Cachat. Vice-président François Griffaut et Jérôme Cacochet, encore un. Trésorier Christian Jolivet. Quant aux membres du bureau, ils sont au nombre de 5. Vincent Léoti, Sébastien Martin Cochet, précisément, Yann Mercier, Patrick Rouge et Gérard Montier. Comme vous le savez peut-être, l'harmonie municipale de Montier est une association Loire 1901 et vous pouvez à tout moment nous écrire au 82 rue Sainte-Catherine, 74 132 000. Vous téléphonez au 04 50 25 62 13. Vous pouvez également nous laisser un message sur internet à l'adresse email suivante bouclier@icor.fr ou à sexy briefo_françois/bon_10@carnometalbox.com. Alors, briefo en majuscule, underscore, c'est le trait horizontal sous le 8 du TED alphabétique. Slash Lyon en minuscule, underscore 10, at Carno Metalbox, carnometalbox.com. Un petit mot maintenant sur les professeurs de l'école de musique de l'harmonie. La flûte traversière est enseignée par Brigitte Delay, qui est avec nous ce soir. Bravo! La clarinette par Patrick Montessui, le saxophone par Franck Bertouilleux, la trompette par Sylvain Manoukian, le trombone par Vincent Camer, la batterie par Lionel Borne, qui est également avec nous ce soir. Merci Lionel. Non, n'insistez pas, il peut plus se lever vraiment lourd. Ou le solfège, si vous préférez, par Vincent Camer et Jean-Christophe Beau, ce dernier dirigeant également alors qu'est junior. Une petite annonce qu'on m'a demandé de passer, si vous êtes électeur d'harmonie ou de batterie fanfare et que ponctuellement, pour un concert ou un défilé, vous ayez besoin d'un tubiste jeune, disponible, jouant très bien, propre sur lui, poli et plus sur affinité, vous pouvez à tout moment contacter Claude Tapin au 06 10 20 33 85. Je répète, 06 10 20 33 85. Il ne demande pas d'argent. Par contre, il exige des musiciennes. Ensemble. Et maintenant, la réponse à la question que vous me posez tous, comment aller écouter un concert à Bernex quand on habite de Bien. Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué. Il faut commencer par aller jusqu'à Thonon-les-Bains. À Thonon, prenez la direction Évion-les-Bains par la départementale 61. Peu après le village d'Enfion-les-Bains, prenez à droite la départementale 21. Direction le 16. Non, 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 non. J'y suis là-bas, moi. Arrivez à Saint-Paul-en-Chapelle, prenez la départementale 52 en direction Bernex. Il est à noter que ça, vous corrigez après, peut-être que je me trompe. Il est à noter que Saint-Paul-en-Chapelle est à 50 km de Bernex,
Donc à ce moment, mais quoi, cette émission, le signal de la surprise est enfin prêt. Nous allons donc vous interpréter tout de suite une polka composée en décembre 88 par Bruno Seige. Cette œuvre a été écrite pour harmonie et, tenez-vous bien, pour corps des Alpes. Un instrument extrêmement rare et difficile à jouer. Et ce soir, au corps des Alpes, notre directeur Jean-Christophe Beau, qui décidément sait tout faire. Ensuite, un entracte, puis une deuxième partie qui promet d'être fantastique avec la musique municipale de Vernex, dirigée par Marielle Martin. Mais tout de suite, Edelweiss Polka, la Polka des Edelweiss, avec Jean-Christophe Beau au corps des Alpes et Éric Lazzarotto, qui a bien voulu, le temps d'un morceau, prendre la direction de l'harmonie. Merci à lui, merci de votre attention. Bonne fin de soirée, donc après l'entracte, et ensuite, alors l'entracte vous avez pris une vingtaine de minutes, et ensuite la musique de Bernet. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et dans une vingtaine de minutes, la visite de la place. Merci.